le seul mec biologiste 100% et que j'idolâtre, genre c'est mon, je suis amoureux de lui, genre vraiment si je suis un jour homosexuel, c'est lui que je veux et personne d'autre, c'est le mec de Dirty Biology. C'est vraiment le surhomme ultime, genre c'est, il est beaucoup trop smart. Le noir est mort. Je l'ai tué. Ils font de la merde. Eve Lachine, cette connasse. Est-ce que ce serait pas quelqu'un de la team? Kylian Mbappé. Attends, il y a deux points qui ratent. Oh là là. J'entends plus les rageux. C'est vraiment bizarre ça. Un youtubeur comme Squeezie qui devrait montrer un exemple d'humilité et être en mode chill, bah c'est pas le cas en fait. Peut-être parce qu'en fait, c'est ma théorie, c'est qu'il baigne dans un milieu de consanguin. Bah, c'est pas du tout connoté péjorativement, mais dans le sens où tout le monde est frère de tout le monde vit dans le même milieu que tout le monde, et t'as pas de potes d'autres milieux. Donc en fait, tout ce que tu vois autour de toi, c'est des youtubeurs, des gens qui veulent faire des vues, toujours plus de vues, et en fait, les gens se contaminent les uns les autres. Donc en fait, c'est que je pense qu'il faut garder contact avec des gens, avec des potes qui sont d'horizons différents pour respirer en fait. Ça m'énerve un peu, du coup j'ai fait un tweet. J'ai plus d'eau. Non, me dites pas que j'ai plus de kizak. Ah non, 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 par contre, ça c'est pas bon. Ça. Non! Ah non, c'est pas possible, j'ai plus de kizak! Ah non, non, par contre, ça c'est pas drôle. Ça, j'étais serein, mais là ça va pas. Attendez. Il me reste une, putain. Oh là là. Oh là là. Là, il me reste un fond. Ah putain, j'étais pas bien. Oh là là. Parce que j'ai investi 3 000 € dans des lumières, automatiquement je peux porter du blanc. Et j'aime bien porter le blanc. Moi j'aime pas porter du noir à la base. À la base, je suis un mec qui est un être de lumière. Je suis vraiment un être de lumière, c'est vraiment ça qui me définit. Et en tant qu'être de lumière, j'aime porter du blanc. Vous voyez, comme dans les communions là, pareil. J'ai reçu un steak de canettes à la myrtille là. Donc ça, je suis refait. Non mais, no joke, hein, non mais attendez, c'est pas pour faire ma pub. Mais moi j'aimerais bien que le premier mois, si vous voulez, ils se disent oh là là, ça marche bien le code Sardoche. Il y a plein de gens qui achètent des boissons one time. Donc en fait, au lieu de faire un don, vous en achetez. Comme ça, je vous explique. Là, je suis en mois d'essai d'un mois. Donc en fait, vous leur dites pas par contre. Hein. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tester les boissons en achetant avec le code Sardoche. Ce qui va se passer, c'est qu'eux, de leur côté, ils vont se dire ah ouais, ça marche bien, Sardoche, c'est un bon influenceur. On va re-signer pour un an. Je vais essayer de négocier pour longtemps. Comme ça, même si après vous achetez plus trop de boissons, je continue de gagner de l'argent tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est un petit peu comme si vous faisiez un don avec un intérêt en fait. Parce qu'en fait, c'est un don qui va vous coûter moins cher. Mais sur le long terme, ça va me faire gagner beaucoup plus d'argent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve tes cheveux particulièrement bons en ce moment, que se passe-t-il? Alors, les amis, j'ai utilisé une technique internationale. C'est que j'ai arrêté de les laver tous les jours. Voilà. En fait, avant, on me disait que j'avais les cheveux gras, mais je me les lavais tous les jours. Et en fait, j'ai arrêté de me laver tous les jours, et maintenant, j'ai plus les cheveux gras. Faut les laver genre tous les 3-4 jours. Ah, c'est des pro tips, hein. Alors, attendez. Je vous ai pas dit, mais j'ai formaté mon PC, j'ai testé mon compresseur et il remarche. Alors que j'avais appelé le magasin pour qu'il me fasse réparation. Alors, on va tester ensemble. Je vais gentiment crier d'un coup. Ah! Oui, bravo! La qualité! Allô! Et normalement, ça devrait pas trop saturer. Je pense que vous devriez avoir un son correct. Ah, c'est quand même fort. Ah, ça marche pas. À l'aide! Sardoche, invité de Radio Sect. Je pense que j'aurai un avis bien trop. Je suis pas fait pour cette émission. Nos avis divergent sur plein de questions. Je suis trop. Et pourtant, je pense, sans aucune prétention aucune, avoir un niveau. Bon, non, ça suffit, j'arrête de parler de ça. Si je devais tout résumer en une phrase, la capacité qu'a quelqu'un de comprendre son partenaire et de lui faire du bien est proportionnelle à l'intelligence sociale qu'a quelqu'un. Et bon, disons, dans ce niveau-là, je pense, ça se passe bien, quoi. Et oui, en fait, je pense qu'une personne qui est profondément conne, tu peux pas prendre du plaisir avec elle au lit. En fait, le regard des autres me gênerait, et niveau hygiène, ça me casserait royalement les couilles, parce que même si le milieu, il est très propre, tu vois, on sait jamais, quoi. Mais en fait, le fait qu'une fille, qui m'aime, moi et pas un autre, se tape d'autres mecs pour le travail, au contraire, je serais en mode, t'as beau baiser avec toutes les plus grandes pansards de l'univers, il y aura jamais quelque chose de mieux que moi, en fait, dans un lit, tu vois. Pour mon ego, ce serait un truc de ouf. Je la fais plus kiffer que n'importe qui, elle est pressée de me voir alors qu'elle a couché avec des pansards et tout, tu vois. Donc, à la limite, pour l'ego, ça me ferait, ça me gênerait pas et ce serait limite cool, tu vois. Tu es encore loin de ton argent pour ta maison, c'est une question sérieuse. Oui, mais on s'en fout en fait. On avance. Ce qui compte, c'est que je perde pas de l'argent tous les jours, tu vois. En fait, t'as des gens, c'est tellement des flambeurs où ils ont tellement besoin de dépenser de thunes en drogue et en pute que du coup, bah, ils perdent de l'argent tous les jours, tu vois. Moi, je gagne de l'argent, je le gagne. J'en perds pas en fait. Donc j'avance vers l'objectif. Bon, j'avoue que j'achète pas mal de Kezak. Là, la moitié de ce que je bois, donc les boissons sucrées, je me les fais offrir maintenant. Donc ça, c'est cool. Parfait. Et je me suis rappelé que l'élite, donc évidemment, les gens qui habitent à Paris, l'élite, bande de gros fils de pute, étaient absolument tous débiles. Il n'y a pas une personne avec une logique utilitariste de groupe, et absolument personne n'a un cerveau, en fait. C'est vraiment chacun pour sa gueule, et pour gagner 5 secondes, mais 5 secondes, tu as perdu 3600 secondes, et tu vas, pour gagner 5 secondes, faire perdre 3600 secondes à d'autres personnes. J'ai vu passer autant d'infractions que Manuel Ferrat a vu de chattes dans sa vie. C'est un truc de fou.
Je vous jure, je suis le meilleur joueur de Sekiro de toute l'histoire de l'humanité, en fait. Je vous le promets, je suis trop fort. J'ai un niveau incroyable. Bon, c'est des faits, en fait. C'est facts, you know the facts, guys. I'm pretty sure I'm actually the best Sekiro player in the world. And absolutely no one can say the opposite. Yes, is that French? I'm sorry, guys. I'm actually streaming in French, but I will in no time just run my stream and go full English. You will truly enjoy this. I will definitely just annihilate Sekiro. I will just make it so easy that you will remember it and will just feel like you have your best time with me, man. You can't be do. Cet accent me fait trop rire. Hop là, j'ai dit hop là. Les Dominions, c'est quoi? C'est les gilets jaunes? C'est quoi l'équivalent? Ah, c'est le gouvernement. D'accord. Donc c'est en marche, quoi. D'accord, c'est Macron. Et moi, je suis les gilets jaunes, quoi. Très bien. C'est compris. J'incarnerai avec brio ce rôle. Mais là, je vais totalement crever, par contre. Hein. Ah non, j'ai des nouvelles unités. Oh, quel bonheur. Alors, c'est le moment d'envoyer. Ah, mais c'est les ennemis! Putain, je pensais que c'était mes alliés! Mais quel con, je vais perdre sur ça! Mais putain! Mais attends, mais c'est les mêmes couleurs, les ennemis et les alliés! Mais dans League of Legends! Dans League of Legends, c'est une couleur différente! Oh bah ça simplifie un peu. Quoi? Mais pourquoi c'est détruit? Mais comment ça j'ai fait échop? Oh non, putain. Oh, c'est une catastrophe. Repli, repli, repli! Tenez encore un peu! On a besoin de vous! On se fait déchirer là. Il faut qu'on se retire plus en hauteur. Bougez-vous, j'arrive. J'avais vraiment besoin de ton analyse de la situation, espèce de connard! Bah oui! Ouais, je fais ça, regardez. Je me montre pas. Regardez, c'est comme dans Splinter Cell. On se met là. Voilà, là on est pas vu là. Il a pas la vision sur moi actuellement là. Regardez, hop. Merde, putain, ils m'ont vu. Oh non. Oh non, c'est pas possible. Mais non, mais j'avais 11 secondes à tenir. Putain, ils m'ont vu, c'est pas possible. Non mais putain, mais bon, si, putain. Allez, on crée chacun un bâtiment qui va tenir un tout petit peu plus longtemps. Allez. Allez les gars, allez. Allez, 5 secondes. 5 secondes. Allez mon pote. Construis. Facile. Yes. Yes, j'étais super bien joué. Yes, bien joué les gars. Super travail. Boum. En vrai, je pourrais battre un gorille à main nue, mais il faut juste que je me concentre. Ah, tu m'as fatigué là. Tu vois, il y a eu trop de... Putain, il est 6 millions en même temps. Mec, il est trop mignon. Oh, il est 6... C'est le problème. C'est vraiment impossible de gagner contre ça. J'ai les larmes aux yeux, c'est tellement il est mignon. Ça a l'air de bien marcher quand même, ça. Gameplay. Nice gameplay, bro. Ah, je suis gentil, je vais... Non, je déconne. Je vais utiliser ça quand même. Oh, bah, ça va, c'est une morlée, je suis content. Bravo, mec. Franchement, c'est énorme. Qu'est-ce que ton perso, il est incroyablement bien joué. Qu'est-ce qu'on s'amuse, putain. Oh, wow. Oh ouais, Sardoche. Oh le roi du sel. Oh ouais. Oh bien joué ça. Putain, je voulais absorber ton truc, j'ai fucked up mon cerveau. Oh oui, Sardoche. Ah, tu m'en fous. Oh ouais, nice approche ça. Oh bien joué. Oh ouais. Ah, je m'en bats les couilles, on finit sur ça, c'est parfait. C'est vraiment super. Bien joué, de plus au centre. Je veux que tu dormes mal, petit fils de pute. Je veux que tu fasses des cauchemars de tes suicides avec Wolf toute la nuit, putain. Bien joué, ça, non. Vas-y, faut vraiment que j'arrête là, ça va pas. Je vais bien jouer, mon bro. Pouce bleu, oui. J'ai eu un peu la même chose que ton ex ou ta copine, je sais pas comment ça se passait, voilà. Et en fait, bah oui, j'étais un peu comme ça, tu vois, j'étais en mode, ouais, mais putain, je vais vraiment le faire qu'avec une seule femme pendant toute ma vie, même si c'est trop bien avec cette fille-là. Est-ce que je vais le faire pas qu'avec une femme pendant toute ma vie? Bah, ouais, tu te poses ces questions et ça te ronge de l'intérieur, en fait, tu vois. Mais c'est comme si, tu vois, t'avais découvert un pays, que t'avais rien exploré du monde et que t'étais en mode, putain, ok, c'est peut-être dans ce pays-là que je vais faire ma vie plus tard, mais putain, j'ai quand même envie de visiter d'autres pays. Ok, ouais, la nourriture que j'aime le plus, c'est le curry d'agneau et l'indien. J'aimerais finir ma vie avec ce curry d'agneau, mais j'aimerais quand même un jour pouvoir manger thaï de temps en temps. C'est quand même cool, quoi. En fait, j'aimerais vérifier quelque chose, parce que ça me met très mal. Est-ce que la première lettre de son prénom, c'est un C ou pas? Et si oui, on go DM, ok? Et je te jure que je t'aide.
Mais en fait, le problème, c'est quand tu construis quelque chose de grand et de long, j'ai envie de dire oui, mais non. Ok, pff, ça me soulage. Oh. Oh là là, yes. Oh yes, ma vie est trop bien. Oh putain, j'avais oh, je suis le plus heureux des hommes. Yes. Merci. Ok, on va pouvoir parler, je suis détendu là tout de suite. I'm running, running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah.